Je suis tellement content d'être là, franchement. Hier soir à 21h, j'apprends que je vais voir l'émission. C'est un peu comme si votre copain il vous dit « Tiens, demain, tu prends ma Ferrari ». Donc ça, t'es content. Ah ouais. Et 2 heures après, il te rappelle, le mec, il te dit « Oui, je te prête la Ferrari, mais il faut que tu prennes mes mômes derrière ». C'est la raison pour laquelle, dans la tête du génie, le Mozart du PAF, Cyril, hier soir, vers 22h, il a invité Julien Castaldi comme chroniqueur. C'est mignon. C'est génial. Ça va, mon fils? Ah ben, je peux pas rêver mieux. Mon père, TPMP, le summum. Non, mon père, puis TPMP. Puis TPMP. On met les choses dans le... Excusez-moi. Ah ben voilà. Voilà. Ah ouais. Ah. Voilà. Ah là, oui. Là, je me sens animateur, là. Ouais. Voilà. Voilà. Bon. Réessayez. Ah. Ah ouais. Ah non, c'est moins bien à gauche. Regardez comment est gaulé le petit Ronaldo. Oh, il est trop mignon. Mais Et franchement, il faut qu'il mange un peu le garçon quand même là. Il est musclé. Oh mais non, mais il est mignon. Non mais Ludivine. Moi je m'attendais à une photo de ouf avec les tablettes là. Gamin. C'est pas des tablettes, c'est les os, non? Oh là là, ce qu'il est lourd. C'est pas ce que c'est pour ça. Pour un enfant, il a des abdominaux. Alors honnêtement, je sais pas si c'est des abdos ou si c'est parce qu'il est tout miskin quand même. Benjamin, franchement, c'est triste qu'un fils comme ça veuille imiter son père. C'est comme si votre fils voulait faire de la télé, c'est une catastrophe. Alors, c'est pas le choquant. Non, franchement, alors, est-ce que c'est le choquant? Papa, tu fais pire. En tenue du dimanche, tu fais pire. J'adore. Et où sont les photos? Montrez-nous. Écoutez, si vous avez le temps d'aller en régie chercher sur mes réseaux, il y a peut-être 2-3 photos, je suis sapé très mal. Mais, non, mais les dimanches. Non, mais là, je suis sapé, dis donc. Non, mais il parle de C'est pas ça la femme en 2018, c'est pas comme ça, c'est plus naturel, je préfère. Ouais, tu préfères un... Ouais. Qu'est-ce qui est naturel pour toi alors? Mais réponds à Maxime qui s'y connaît, il a un rayon sur les mains. Du naturel. Mais pourquoi il m'a cherché si loin? Avec un verre que j'aime. On n'est pas au supermarché, hein. C'est exemple, quoi. Vous m'arrivez, genre, alors. Non, c'est pas possible. Prochaine photo. Oui, qu'est-ce que ça se barre un peu en cacahuète? Je peux faire le lancement après la pub? Non, mais tu t'es coché ta mère, toi. Prends la confiance. C'est plus chez mon père. Mais, là, et l'autre, il fait une demi-chronique, il a dit une demi-info. Non, et il veut ça prendre avance, la. Tout ça, moi, je veux bien. Je peux? Donc, je sais pas, je vais réfléchir. Ok, cool. Bah, pour l'instant, je suis pas pour. Tu l'as noté, celui-là. On pourrait voter, non? Le pouce dehors. Ah ouais, tiens, on va lancer un truc. Vote. Est-ce que vous voulez chez vous? Voilà. S'il vous plaît, c'est mon rêve. Non, mais oh. C'est vrai, c'est. Ah, le pauvre. C'est vraiment mon... Est-ce que vous voulez, chez vous, que mon fils donc reprenne après la pub? S'il vous plaît. Non mais je... Oh ah, mais l'autre, il est sur un plateau de télé, il est comme ça. Genre, limite, il pourrait me pousser dans les escaliers pour que je me casse la figure et que je me pète quelque chose. Je dis juste, s'il te plaît. Non mais j'ai compris. Donc, voilà. Est-ce que chez vous, vous envoyez quoi? Un hashtag quoi? Hashtag Julien. Ouais, ouais. Pas hashtag TPMP. Hashtag Julien, t'es Julien. Oui. Voilà, sondage. Dehors, Benjamin. mais cours, papa, hein, pas trop. J'ai compris. On verra ce que tu fais. Ah ouais. Pour l'instant, on enchaîne avec l'autre et on lui donne ça. Et... Ah ouais. Est-ce que, oui ou non, Julien reprend après la pub à ma place? Est-ce que vous voulez, en gros, que je m'en aille? Non, ça ne veut pas dire ça, papa. Ça veut dire qu'il me laisse ma chance. Je le prends comme je le veux. C'est ton fils. Alors, on ne le dit pas. Ah bah, on est bon, hein, alors. Ça y est, on l'a vu, allez-y, envoyez. C'est bon, on l'a vu. Eh ben voilà, merci. Et voilà. Allez, on se retrouve juste après la pub. Tu penses de Neymar, son salaire, la sécu, on en est où, papa? Dis-moi.
T'as suivi l'émission. Ben oui. Vas-y, mais... Non, mais vas-y, chérie, vas-y. Oui, bah dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Neymar ça, c'est cuit. Est-ce que tu trouves pas le chiffre vraiment exorbitant? Et totalement voilà. Exorbitant. Moi, je pense que le club devrait payer les opérations des grands joueurs de foot avec un salaire pareil. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'on fait juste après. C'est quoi la séquence que je devais lancer? Je sais pas, c'est... En tout cas, je peux dire qu'il est beaucoup mieux que le faire. Ah oui. Elle devrait donc être présente à la cérémonie des Césars qui a lieu donc ce vendredi soir. Elle va donc monter sur scène et faire une petite récompense qui est donc le César. Ouais, merci Julien, c'était parfait. Merci beaucoup. Non. Bravo. Mais tel père, tel fils, quel talent. Là, merci. Bravo. Merci mon père. Bravo. Je t'aime papa, merci. Bravo. Merci à tous.